Thank you.
Et bonsoir à tous et à toutes les amis simeurs et pilotes furaxiens et furaxiennes, et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau live, ce live qui devait avoir lieu samedi et que je n'ai pas pu vous faire, donc je suis super content de me retrouver avec vous. Alors, qui c'est qui est arrivé? NB51 Angle 04, bonsoir à toi sur Twitch. Il y a Nicolas Biabo, bonsoir à toi l'ami, ça me fait plaisir de te voir. Qui c'est qui est arrivé? Et Ozen 355, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live, ça me fait plaisir de te voir. Fredel, bonsoir tout le monde, un plaisir d'avoir un petit live en semaine. Ah ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben écoute, je sens que la semaine prochaine, de toute façon, vous allez être servi au niveau des lives. Christy Tigrou, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live. Est-ce qu'il vaut le coup le Concorde Colimata? Alors oui, il vaut le coup, hein, parce que c'est pas un avion qui est très cher, mais il y a beaucoup de modes en plus pour l'améliorer. Tape mode Concorde Colimata, tu verras que tu peux vraiment le rendre exceptionnel cet avion, mais c'est vrai qu'il y a un moment que je n'ai pas volé avec. Je t'avouerai que je ne l'ai pas retesté depuis. Qui c'est qui est arrivé? Genfly, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live. Larkinux, bonsoir à toi. Nicolas Biabo, je crois t'avoir déjà salué. Et Christophe Delisle, notre ami, bonsoir à toi, comment vas-tu? D'ailleurs, je t'ai envoyé un MP, Christophe Delisle, pour la semaine prochaine. À partir de samedi, est-ce que tu pourrais me booker 3-4 vols avec le Toulyse A320 Neo? Pourquoi? Ben parce que la semaine prochaine, les amis, vous avez dû le voir sur les différents réseaux, je vais avoir l'immense plaisir à chaque live de pouvoir vous offrir 2 A320 Neo de la maison Toulyse pour l'anniversaire. Donc c'est du 16 au 24, et forcément vous allez avoir un peu plus de live que d'habitude, hein, parce que j'ai envie de vous en faire profiter, et puis de deux avions par live, mais c'est génial, c'est vraiment super généreux de la part de Toulyse. Donc il va y avoir un live samedi, très certainement, un live peut-être mardi, mercredi, je sais pas, mais je vais essayer de faire un maximum de live de sorte à vous faire gagner un maximum d'avions, mes amis, parce que je vous adore, vous êtes toujours présents. Voilà, ça me fera plaisir. Alain L, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live. Donc ne ratez rien, n'oubliez surtout pas la petite cloche des notifications, de rester connecté à la chaîne. Alors ce soir, après je vais vous faire d'autres annonces, hein. Ce soir, on va voler avec le McDonnell Douglas de la maison Rotate. C'est le MD-80 exactement. Il se rapprocherait plus du MD-88. On va voler avec la compagnie Rutaka Airline. Comme vous voyez, la livrée est super sympa. En plus, on dirait qu'elle sourit. J'adore ça. On va avoir 120 personnes à bord, 7,8 tonnes de carburant. On va voler au FL 230, mais je pense qu'on va monter plutôt au 270 ou 250, on verra. On va avoir un airtime de 47 minutes, hein, donc c'est un vol qui est court, et on va voler au-dessus du Venezuela. On va décoller de Caracas, de l'aéroport Simón Bolívar, qui est l'aéroport qui porte l'OACI Sierra Victor Mike India. Et on va arriver sur Maturín, qui est l'aéroport de José Tadeo Monagas, qui porte l'OACI Sierra Victor Mike Tango. Et vous allez voir que c'est un vol qui est sympa, parce que là-bas, les aéroports sont pas équipés comme nous, hein. Ah, je vous assure, ça va être une approche joueur, et après on va faire du visuel sur l'aéroport, et vous allez voir que cet avion est un avion qui se mérite. Alors, j'aimerais s'il vous plaît tous et toutes, tous ceux qui sont sur le live et qui regarderont ce live, je vous en ai parlé. Pour ceux qui l'ont vu, il y a la société Pimax qui m'a contacté pour que je vous fasse une revue sur le casque, leur casque VR, donc pourquoi pas. J'ai vu que j'avais des très bons retours déjà de votre part. Il m'enverrait un casque pour que je puisse le tester et donc en faire une démonstration sur X-Plane 12, MSFS et DCS. Donc n'hésitez pas sur les différents réseaux
réseaux à me dire ce que vous en pensez, aussi bien sur Facebook, le serveur Discord de la chaîne, que dans l'onglet communauté. Donc si ça vous intéresse, ça sera une vidéo complète qui va partir du déballage du produit, on regardera la qualité ensemble, on configurera tout le logiciel VR et puis on ira bien entendu le tester hein, sur nos plateformes préférées. Qui c'est qui est arrivé entre temps que je rate? Jean-Michel 33, bonsoir à toi, ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Donc on va commencer à rentrer dans notre belle bête. Regardez, franchement, la livrée Rutaka est super sympa. Donc alors ce soir, je ne vole pas avec auto-ortho pour la bonne et simple raison, c'est que je trouvais que les orthos étaient pas très sympas. Du coup, j'ai généré des tuiles en zoom 17, mais sur l'arrivée, franchement, il y a beaucoup de nuages sur les tuiles, c'est un peu dommage, mais bon, je peux pas faire autrement pour ce vol. Donc j'ai décidé de garder les tuiles parce que sur le départ, elles restent quand même beaucoup plus sympas. Allez, on va commencer à démarrer cet avion, c'est parti. On va hop se mettre en vue overhead, ici on va enclencher la batterie. Alors attention, parce que des fois il y a des gens qui n'arrivent pas à enclencher la batterie, parce qu'en fait il y a deux positions. Ici, vous avez, alors hop, je vais remettre ça comme ça, cockpit temps poteau. Vous allez voir, quand vous le baissez, vous avez une deuxième position quand vous le tirez, hein. Donc on va régler ça, on va demander le Ground Power Unit directement. Donc on va ici sur ce cahier de payload et là vous avez les services, on va demander le Ground Power Unit et on va ouvrir toutes les portes. Voilà, comme ça, ça sera fait. On va retourner sur l'override et on va enclencher le Ground Power Unit. Alors, j'ai un paxon ce soir sur l'avion qui amène énormément de réalisme à l'avion. On va vérifier l'extérieur power, c'est bon. On va mettre le bus sur on. Parce que vous allez voir que dans le cockpit, vu que les réacteurs sont en arrière, les moteurs, vous les entendez quasiment pas ou quasiment qu'au moment du take-off. Mais par contre, les sons en cabine, vous allez voir, sont sublimes. Et bien sûr, le son cockpit également est excellent. Donc on va commencer par illuminer les panels. C'est parti. On a des lumières ici. Ici. Ici également, ok, c'est monté, le glare shield ici, voilà, de suite ici, vous faut penser à mettre les bleeds, sinon vous n'arriverez pas à démarrer vos moteurs, ces deux manettes, c'est très très important. On va régler le TICAS sur 1000, voilà, et on va commencer par régler en premier lieu notre QNH 1012, comme ça on n'oubliera pas de le faire, parce que vous savez, ça c'est le genre de choses que l'on peut oublier très rapidement. Alors ok, pour le vol en Afrique, je dois faire la livrée car je n'en ai pas trouvé sur le web. Ouais, ok, Christophe, pas de souci. Par contre, n'hésite pas à me faire des vols même en Europe hein, pour la semaine prochaine, de sorte à, voilà, à avoir des livrées de dispo et autres, parce que bah, ça va être la semaine tout lisse, c'est l'anniversaire du 320 Neo. Et vous allez gagner deux avions par live, mes amis, pour ceux qui l'ont pas. Ben, ça sera super de l'avoir. On va aligner de suite les IRS. Ok, c'est fait. On va faire les premiers tests pour les alarmes. Pull up. Terrain, terrain. Pull up. Sync rate. Les tests max speed warning. Voilà, on va mettre les lumières. Ok, on est bon. On va mettre la start pompe en route. On va allumer les pompes à carburant. Comme ça, ça sera fait. Et on va commencer à faire notre plan de vol. Alors, je vais me rapprocher
de mon FMC, ce sera plus pratique. Je vais faire une vue rapide, comme ça je peux revenir au FMC directement. Donc là, Enter, IRS position, on fait Delete. On va sur position init, on va faire SWMI, donc Victor Mike India. Et on va valider notre position GPS, SVMI, on va le rappeler. J'ai déjà enregistré le plan de vol, les amis. Donc là, on va sur Sierra Victor Mike Tango. Voilà, le flight, c'est... l'OACI, du moins le numéro du vol, c'est RUC 7126. RUC... 71-26 flight. On va pas faire activate parce que les IRS ne sont pas encore alignés. Donc quand on va faire ça, ça va pas passer. Donc on va faire del clear. Voilà. On va faire notre départ et après on va faire le payload. On va faire le payload de suite. Ce sera plus safe, les amis. C'est parti. Donc on va aller sur le payload, on a 120 passagers à bord, donc on va équilibrer l'avion 60-60. Hop, on va mettre notre fuel, on a 7888 kg de carburant à bord. Et on a du fret, on a 2000 kg de fret, 2000... Voilà, et on, au total en fret, on a 6675. Donc on va mettre 2005 là. On va mettre 600 ici. On va mettre 2500 là. Le fuel, le trip fuel. Alors on va équilibrer l'avion. Il va falloir équilibrer l'avion dans tous les cas. Le trip fuel, c'est 2762 kilos. Voilà, donc on a dit 6675, donc on est à 5000, on va mettre 1000 ici, donc 6000 et 600 kilos là, est-ce que ça passe? Non, 6 tonnes, ça passera pas, on est trop lourd, on n'est pas bon au niveau de notre CG, donc on va mettre 1600 ici, et là on va mettre 0, qu'est-ce que ça donne? Ok, on n'est pas bon non plus. 1000. Ok, donc là, ça fait 5, 6000 et 600 kilos. Là, ça passe pas. On a dit que ça passait pas. Donc, on va mettre 2700 ici. 2700. Ok. On est trop lourd. On va retirer ici. On va mettre 0 là. Voilà. Donc là, on est à 5400, 6400. Et il manque 200 kilos. On va mettre 1200 kilos ici. On devrait être bon. Voilà, on est bon. On a un payload de 17100 kilos. On va commencer à charger les personnes, le fuel, le cargo et les passagers. On fera expédite hein, parce qu'on va pas attendre 40 minutes sur le tarmac le temps que le cargo ne se charge. Les IRS sont alignés, donc on va continuer ici notre plan de vol. Donc on est bon, on peut exécuter ici notre plan de vol. Le départ, c'est un départ de la piste 9 et on va faire un départ Osmar 2. On va faire execute et pour l'arrivée, vous allez avoir, les amis, vraiment c'est un truc de fada. En fait, il n'y en a qu'une, c'est la 06. Voilà, même sur les cartes, vous trouverez que la 06, sinon la 24, c'est une visuelle. Diamune, voilà. Et on va faire execute. Donc on est bon, on laisse l'avion se charger. On va mettre notre altitude, on va mettre 25 000 pieds ici. Voilà, directement. Ouais, parce qu'il me proposait du 23 000 pieds, mais j'ai peur que ce soit bas. On va mettre 25 000.
te sera mieux, ça évitera de faire trop de croisières. On va allumer notre tablette et on va se faire un petit tour de l'avion, on va se faire un petit tour de Walk Around. Chris 910, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live, bienvenue, bienvenue. Alors, on a fait les principaux tests, donc on va pouvoir faire notre Walk Around, on va faire un petit tour de notre avion. Alors, j'adore cet avion. Donc, le connecteur pour le Ground Power Unit, les sondes d'incidence vont bien, les divers, ça c'est des sondes pitot, pareil, sondes d'incidence en bonne position, on va se regarder le train, alors je me rappelle plus si c'est sur X, ouais, qu'il faut que j'appuie, ok, le train va bien, il n'y a pas de liquide au sol. Les soutes sont ouvertes, c'est normal. Alors cet avion est pas jeune, hein, les amis. Hein. C'est un avion qui est assez ancien sous X-Plane. Je crois qu'il a démarré à la version 10, cet aircraft. Mais il est super sympa. Alors, il y a Chris 910 qui me dit « As-tu pu tester le pack de son de BSS pour le 340 ?» C'est une masterclass. Ben écoute, merci de me le dire. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je vais l'acheter là et puis je vais faire une petite vidéo revue dessus. Parce que je sais que vous aimez bien les packs son. Et moi, j'adore les packs son, surtout quand ils sont de très bonne qualité. Parce que pour moi, ça fait partie quand même de l'immersion de l'avion, c'est comme le pack son que vous allez avoir sur cet aircraft, franchement je vous le recommande, parce qu'il met beaucoup de réalisme à l'avion, il amène beaucoup de réalisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'entendez pas dans le cockpit, que vous entendez par défaut, comme par exemple le démarrage de l'APU, sur ce genre d'avion vous pouvez pas l'entendre, il est tout au bout. Donc il y a pas mal de choses, on a un cockpit qui est plus feutré, ah, j'aime bien l'escalier, les passagers passaient par là. Alors moi, sur Avignon, il y a une caravelle qui est en exposition, j'y suis allé et j'ai eu la chance de descendre la porte, il y a une manivelle sur le côté qui permet d'ouvrir l'avion hein, quand il est clos, de pouvoir l'ouvrir, et franchement c'est super sympa. Alors, gouvernanté, vraiment, j'adore cet appareil. Il est sport quand même, je vous avouerai qu'il est sport. J'ai fait pas mal de vols avec pour m'entraîner, surtout sur l'approche qui est une approche joueur. Hop, on va se baisser, voir si tout va bien. Franchement, il est beau cet avion, il est beau. On a Air Alaska qui est à côté de nous. Alors, tu dis, j'ai celui du BSS 320 de Flight Factor. Bon sang, le steep qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils appellent le steep, désolé, hein, je suis pas des fois au fait de ces mots. Donc ok, ben, le walk around est terminé, c'est bon, on va rentrer dans notre cockpit, on va démarrer la PU. Alors ici on va mettre les pitot-hits. Ok, et on va démarrer la PU. Alors, Genfly, quelle différence avec cet avion et celui de la Minar? Ben, il a un système de payload, il a un système d'ouverture de porte, de service au sol. Voilà, et il est plus précis. Il est plus précis. Ok, la PU est en train de démarrer.
On va vérifier dès que ça passe en bleu. Ok, l'APU fonctionne bien. C'est bon, on a bien la tension au bus. On va passer ici, on va passer sur le bus APU. Et on va basculer sur les sons. Ah, quelqu'un s'est abonné. Merci BlueTooArc pour ton follow sur apparemment c'est sur Twitch. Merci à toi. Et on va déconnecter l'extérieur power. On va accélérer le payload. Comme ça, on va pouvoir commencer à démarrer l'avion. On va faire expedite, expedite et expedite. Voilà, comme ça c'est fait, on peut déconnecter le ground power unit et on va pouvoir fermer nos portes. Voilà, comme ça elles se ferment. Alors, sachez que pour la gestion des portes sur cet avion, ici vous avez ben, le petit livret, hein, il vous suffit d'appuyer là. Mais oh, sinon, si vous allez sur menu, ici vous avez ACFT, et là vous avez la gestion du GPU, GPS, bref, de tout. Voilà, de tout. Ok, c'est chargé, on va faire nos perfs, c'est facile, vous cliquez ici, ici. La réserve 3 tonnes en réserve. Le cost index c'est 71 ce soir. On va voler au FL 250. Le vent en altitude, on va le regarder tout de suite sur notre plan de vol. Alors oui, hein, toujours pareil, c'est notre ami Christophe Delisle, hein, qui a booké le vol du Venezuela. Donc très beau booking comme d'habitude. Et donc ici, on est sur une altitude de transition de 12 000 pour le départ et 7 000 pour l'arrivée. Merci à toi l'ami Christophe, n'hésitez pas. Vous avez, je crois, en description de la vidéo, j'espère que je l'ai mis, le système de booking de notre ami Christophe Delisle. Alors, c'est parti. On avait dit qu'on regardait le vent en altitude. Vous voyez, je me suis perdu. On va ici, on va sur ATC Flight. Non, pas ATC Flight Plan, le briefing preview. Et ici, on va avoir au top of climb, on est au FL 250, 304, 17, 17 nœuds de vent. 304, 17 nœuds de vent. 304 et 17 nœuds de vent. On a un ISADEV de 17 degrés, je crois. On va vérifier ça. ISADEV 18 en positif, donc on fait 18. Voilà, c'est bien ça. En altitude, il va faire moins 17. Et c'est bien ce que l'on a de marqué ici, moins 17. Donc on est bon. L'altitude de transition, c'est 12 000 pieds. On fait execute. On va pas sur la page take-off. L'OAT, ce soir, il est à combien? Du moins ce soir, hein, on n'est pas vraiment le soir dans le simulateur. L'appareil, on va aller voir la météo plutôt. Ici, on va voir la température que l'on a. On a une température de 30 degrés sur l'aéroport. Ça fait du bien, 30 degrés. Waouh! Voilà. Et donc, nos perfs sont rentrés. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Mon baptême de l'air, c'est en Caravelle, du Bourget à Gatwick. Ah ouais, d'accord, ok. Ton baptême de l'air, Alain, a été en Caravelle. Ça, c'est super. Ils sont largement plus qualitatifs qu'avant, d'accord, les sons BSS, parce que moi, à un moment, j'ai arrêté d'acheter des sons BSS. Je vais être honnête avec toi. Et ils sont chiants, YouTube, à mettre des pubs toutes les 10 minutes. Pourtant, j'ai réduit, je leur ai demandé de réduire le nombre de pubs. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent pousser au YouTube Premium. Ça, c'est pour ça qu'ils font ça. Ok. Ah, Eozen, qu'est-ce qui s'est passé? Please, refrain sending long message. Genfly, s'il savait combien on s'en fout. De qui tu parles, Jamfly? Je sais pas, j'ai pas compris, désolé. Bon, je continue.
Donc là, on est bon au niveau des perfs. Les perfs sont rentrés. On va demander le repoussage et on va faire le repoussage de l'avion. Et l'avantage qu'on a, c'est que la piste, elle est juste ici. Donc on ne va pas avoir trop de roulage à faire. Allez, c'est parti. Donc la PU est démarrée. On va mettre ici l'air sur on. Les bleeds sont sur off. Tout va bien. Allez, c'est parti. Vous allez voir cet avion. J'adore. Alors, pendant que ça arrive, on va juste tester le TICAS. On va le mettre en stand-by. Ok, pour le TICAS, on est bon. Comment on va démarrer les moteurs anti-collision? Ok, le park break est ici, il est bien enclenché. Aerogate, salut à toi. Ah, des pubs, ouais, moi aussi, hein, je t'avouerai que je ne regarde plus de pubs, mais bon, des fois on n'a pas le choix et c'est ce qui fait vivre les créateurs de contenu, hein, de toute façon. Même si ça fait vivre la plateforme YouTube, sans YouTube, il n'y aurait pas de contenu, quoi. Donc, c'est compliqué, des fois il y a de l'abus, c'est clair. Moi, la pub, je sais que à la télé, c'est pour ça que moi, en fait, maintenant, je ne regarde plus que YouTube, j'ai YouTube Premium. Et j'ai Amazon Prime parce que je m'en sers pour la livraison, mais sinon je ne regarde plus du tout la télé. Ok, c'est bon, on peut relays le parking break. On va mettre sur système A et on va lancer le moteur de gauche. J'allais oublier un truc, ici vous avez l'hydraulique. On est à 20, on envoie le carbu. Le son des moteurs en cabine passager. Ok, moteur 1 démarré, on va lancer le moteur 2. Et fuel on. Operation complete. Set parking brake. Ok, on va mettre le park break et après je vais vous montrer comment régler l'avion. Le moteur 2 est démarré. On a une petite différence en EGT. On va faire off ici. Engine, start pump, on peut la couper. Les seatbelts sur auto, les no smoke sur auto, les landing, les emergency lights, on les arme. On va aller sur l'override, on va mettre le bleed. Écoutez le son, franchement, le pack son est vraiment excellent. On va vérifier de bien avoir
du jus sur les deux générateurs. On est bon, on peut couper la PU. On va mettre ici l'air conditionné et là on peut faire off au niveau de la PU et ils peuvent déconnecter. Je vais couper le bus APU ici. Voilà. Et on va mettre ici le UO dumper on. Donc on a le flight recorder qui est sur off, c'est normal, et le parking brake qui est sur on. Et on va mettre les flight director. Voilà, on va valider notre altitude de croisière. On a 252 marqué ici. Vous cliquez sur nav et là on va mettre pour le décollage 2000 pieds pour le décollage vertical speed, on est bon. Allez, c'est bon, on va régler maintenant le long trim. Ok, il a bien le remove before fly dans les mains. Alors comment ça se passe? Ici, sur votre page de perf, il vous dit votre CG Mach. Le CG, vous allez le mettre ici sur 9. Voilà. On va décoller avec 15 degrés de volée. Voilà, on met 15 ici. On vient également mettre 15 ici sur cette flap Steo Select. On sélectionne 15. Voilà. Et là, maintenant, on va régler le long trim sur 7,5-8 qui est ici. Et logiquement, ça va correspondre au curseur vert. On va le faire de suite, comme ça, ça sera fait. Un peu spécial cet avion à préparer, mais très sympa au demeurant. Moi, j'adore. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, les amis. Ça me fera plaisir. N'oubliez pas le pouce vers le haut. Ça aide bien à laisser des commentaires sous les vidéos, je le répète, mais il n'y a que ça que l'algorithme de YouTube comprend. Alors là, on a l'alarme pour le long trim, c'est bien, donc on sait qu'elle fonctionne. Et voilà, on est à peu près en face. Ok, on est à 7,8, on est bon. Là, on va armer les speed brakes et ici, on va mettre les auto brakes sur Théo. Voilà, on va faire notre test, que les commandes soient libres. On est bon également. Et on va pouvoir mettre les lumières de taxi. Donc on a tout qui est allumé, la pressurisation qui est sur auto 1, on va mettre le ramer, ça c'est pour logiquement refroidir les baies, ok, on est bon, et là on va pouvoir commencer notre roulage, on est configuré pour le take-off. Alors bien sûr il faut au début cliquer ici sur Théo. Une fois qu'on aura fini le décollage, on va cliquer sur MCT. Ben, je vous expliquerai ça sur la piste. Allez, c'est parti. On retire le park break. Et on commence notre roulage. Alors nos V-speed ici se sont réglés automatiquement quand on a fait nos perfs. Nos speed bugs plutôt. Alors l'aéroport de Caracas, c'est un aéroport gratuit. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo, les amis. N'hésitez pas, si vous voulez, voler par là-bas.
Freebird 243, descending 10,000 feet on the Inago 1 Bravo arrival with 7-8 possible information so far. Freebird 243, good evening, weather contact, same via Inago 1 Bravo, 14,000. Send via the Inago 1 Bravo to 14,000, Freebird 243. On va s'arrêter avant le point d'arrêt, voilà. On va mettre le TICAS sur TARA, on est bon, on va mettre le chrono en route. Voilà, qui est fait. On est bien en mode take-off pour le décollage, on a bien 25 000 pieds, nav track, vertical speed. On est bon, donc je vous disais, une fois qu'on aura décollé, rentré le train, repris un peu de vitesse, on va cliquer sur MCT, c'est Maximum Continuous Thrust. Donc désolé pour mon anglais, hein. Ah, vous m'en voudrez pas. Et puis, FR Taros, Ivao, salut à toi, bienvenue sur ce live. Et Team A. Tifix, salut à toi. Alors là, je mets une vitesse au speedmac, mais il n'y a pas besoin. Vous allez voir, il y a l'automanette. Donc on est bon. Les lumières, les strobes. Allez, on est aligné, c'est parti pour le décollage, on retire le pied des freins et autothrust. Ah, bah oui, j'ai pas mis mes flaps, 15 degrés, j'avais dit, je les ai pas mis, j'étais passé à autre chose. Pour vous expliquer d'autres choses. Donc là, on est bon, on va réarmer forcément ici les autobreaks. Voilà, ils sont en position de take-off. Et là, on va pouvoir décoller. Allez, c'est parti. On pousse un peu le manche vers l'avant. VR positive climb, je rentre le train. Je vais rentrer un cran de volée.
Et je mets le pilote automatique. Je vais passer en MCT. Voilà. Et là, je peux passer maintenant en vertical nav. Donc, on a bien FMSPR, vertical nav clim et track. Et on remonte les volets. Et volets remontés, on désarme les speed brakes, les auto brakes, on les met sur off. Et c'est parti, on va avoir une contrainte d'altitude à 4000 pieds. Ici, on va passer sur map. Voilà, on est sur map, on la voit mieux sur celle du copilote. Aéroport, data, hop. NDB, c'est bon. Et là, on voit que l'on a une contrainte bientôt à 4000 pieds. Voilà. On va aligner notre HDG. C'est parti. Et après, on va se faire des petites vues sur l'aile. C'est parti. Là, on est en automatique, les amis. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat ? Ok, rien de spécial. Vous êtes plus de 20 personnes sur le live. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, les amis. Ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Hein, c'est notre petit plaisir aux streamers et aux youtubeurs. Les pouces, les commentaires. Ah, 21, il y a 22 j'aime. Donc, vous pouvez pas faire mieux. Merci à vous tous. Et j'ai oublié de retirer quelque chose sur l'overlay. Parce que ce soir, c'est pas le C-Market qui sponsorise ce live. Alors ok, je vous le retire. Voilà, là on a une contrainte à 4000 pieds. Vous avez vu le son des moteurs, vraiment super sympa. Alors c'est vrai qu'en cabine on les entend moins que dans le modèle original, mais c'est normal, moins en cockpit plutôt que dans le cockpit. Et là c'est parti, je vais réenclencher les 25000 pieds ici. Hop, j'ai mis 26, c'est 25, voilà. Comme ça, l'avion repartira en montée tout à l'heure. On va mettre le radar de terrain, c'est plus utile actuellement. Et on va baisser la luminosité, voilà. Et on va mettre le FL ici. On va pouvoir couper les lumières de train. Ok, on va se faire une petite vue là, passager, hein, puisqu'on n'a rien d'autre à faire dans le cockpit pour le moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce live, si ça vous plaît. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas, semaine prochaine, je vais faire plusieurs lives et vous aurez deux avions à gagner. Deux Toulis à gagner sur chaque live. Deux 320 Neo, de l'excellent Neo de la maison de Toulis. Ah ouais, le son. Et tu vas voir le moteur quand il va accélérer aussi. Très sympa. Très très sympa également. Alors ce qu'il y a, c'est que sur les tuiles, il y a pas mal de traces de nuages. Je suis pas arrivé à voir quelque chose de propre. J'ai essayé avec Bing, j'ai essayé avec Google. Bon, rien à faire pour le moment. Il y a de la rouille sur l'aile, ouais, un peu.
On va bientôt tourner à droite et on va se remettre à monter. L'avion tourne un peu à gauche avant de tourner à droite, c'est normal. C'est un comportement qui est sain. Et là, on va se mettre à remonter, les moteurs vont accélérer. Ce paxon est super. C'est parti. Delta 585, fly direct to Cessna. Descend via start to 10,000. Descend via start to 10,000, Delta 585. Merci à tous d'être là, ça me fait plaisir. Je n'ai pas pu être en live samedi, ça m'a manqué. Mais en fait, j'avais des problèmes, je vais vous expliquer pourquoi. Je parlais avec Laminac, pilote d'hélicoptère, avec qui on vole des fois sur Discord et que vous avez déjà vu en stream. Et il me parlait qu'il avait un peu overclocké sa carte graphique. Parking Break, bonsoir à toi, monsieur Arnaud, bonsoir. Bienvenue sur ce live. Et donc j'ai expliqué que le logiciel Afterburner avait un système d'overclocking automatique qui permettait de détecter le meilleur overclocking. Et en fait j'ai lancé l'overclocking automatiquement de la carte et je l'ai coupé. Voilà, je l'ai coupé. Sauf que les paramètres étaient pris en compte. Et en fait ma carte était overclockée et c'est pour ça que j'avais des retours bureaux. Tout simplement. Donc faites attention à ça, à vos cartes, à vos overclocking, si vous avez des retours au bureau aussi, ça peut venir de là. Alors, il y a Christophe Deline qui me dit, j'ai ton deuxième vol, Furax, LBWN, tout, Lowy, ah ouais. Non, c'est pas l'OI, c'est L-O-W-W, d'accord. Bulgarie, tout Autriche, super, merci à toi. Super vol. On va quand même rentrer dans le cockpit. On est à 10 000 pieds. Bon, on va pouvoir couper les lumières de landing. Et à 12 000 pieds, on pourra passer en QNH standard. Alors là, vous voyez, à partir de ce moment-là, quand vous êtes en vertical nav, l'EPR est géré par le FMS. Donc ça sert plus à rien de changer de mode. Ça n'a aucune efficacité. C'est uniquement si, par exemple, vous voulez monter en mode IAS. Dans ce cas-là, ça sera cette EPR-là, en mode IAS ou en mode EVS. Mais si vous êtes en vertical nav, l'EPR ici ne servira à rien. Sachez-le. C'est juste au début, on met sur take-off, après on passe sur MCT, Maximum Continuous Thrust, et une fois que vous êtes sur ce mode-là, vous pouvez enclencher le VNAV. Q
American 2227, center 126.45. Good morning. Cook Road Show 01, reclassing lower from 18,500. Show 01, descend at your own discretion, report 30 miles from Lima India Bravo. Defender, descend and report 30 miles, show 01. That's correct. 14 000 pieds. On va passer en QNH standard, 1013. Là, il n'y a pas de standard, c'est 1013. Alors, je vais déjà mettre l'altitude de décision à 430 pieds pour l'aéroport. Je vais aller chercher ma carte d'aéroport. SVMT. Voilà, regardez. Regardez toutes les approches de disponibles et les arrivées que vous avez sur cet aéroport. C'est un truc de fou, hein. C'est un aéroport international, hein. Donc, c'est la VOR DME6. Donc, il y a plusieurs façons de la faire. Nous, on va arriver via MUN. On va partir comme ça. Et on va faire ça, s'aligner. Là, on passera en mode VOR. Et on va être sur le cap 73, donc on n'est pas aligné à la piste, on va arriver là à peu près. Alors, la particularité, c'est que à 4,3 nautiques, il faudra être à 1700 pieds, commencer notre descente. 2200 pieds à 10 nautiques miles, voilà, au-dessus. Et là, 1700 pieds. Donc voilà, ça va être sport, ça va être sympa. Ça va être sympatoche comme approche. Altitude de transition 7000 pieds. Allez, on se refait une petite vue cockpit, du moins cabine. Ah, monsieur Arnaud qui dit c'est compliqué, c'est vieux liner, j'en bave avec celui de la Mina. Ouais, c'est, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien maîtriser les puissances moteurs. Ce que j'expliquais à l'instant pour les. Ici, là, pour le. J'ai perdu le nom pour le PR. Donc il faut savoir que le PR se gère au décollage, bien sûr, si tu es en mode IS et en mode VS. Si tu es en mode vertical nav, il faut savoir que le vertical nav, tu ne peux l'activer qu'après ton TO MCP. Si tu cherches à activer ton TO, que tu cherches à activer ton vertical nav, ça ne marchera pas. Je crois que tu vas passer en IAS. Donc voilà, c'est connaître un maximum son avion. Alors, parce que Genfly il aime bien quand il y a du vent à l'arrivée. On va regarder le métar. On va regarder le métar. 10 nœuds de vent. Ah, ça devrait aller. 10 nœuds de vent, cap 20. On est toujours bon.
1010 hectopascal, pas de nuages, 36 degrés sur l'arrivée. On va être bien. On va être bien, les amis. On va se mettre bien. J'aime bien les cadeaux de James Fly. Alors, on va en profiter vu qu'on est là et qu'on va pas avoir une grosse croisière. Donc le VOR de Mathurin, c'est 115.30, on est déjà réglé. Et le CRS qu'il va nous falloir prendre, c'est le CRS 73. 73. Hop, comme ça c'est fait. Buenos días, j'adore, la voix est en espagnol, avec un accent espagnol, Buenos días. Ah non, on va pas givrer, non, là, 23 000 pieds, je retournerai au moment de la croisière, comme ça vous allez entendre les moteurs également qui ralentissent, qui deviennent moins sonores. Vous voyez, on les entend très très peu, les moteurs, hein. Pourtant ils poussent. Hein. Je vais le régler, Streamlabs, pour que vous puissiez mettre des messages plus longs, parce que là, apparemment... Il a l'air un peu de s'énerver, le bot. Ok, 24 000. Je vais passer en vue cabine comme ça. Et je vais essayer de vérifier Streamlabs de suite. Je vais le régler. Ah oui, non, mais là, je tape pas sur le bon clavier. Streamlabs. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, vous êtes embêté avec Streamlabs. Voilà. Alors, le bot, il est où? Coup bot. Ok, préférence contre les majuscules. Ok, protection contre les symboles, les liens, protection des mots, des paragraphes, empêche d'envoyer des messages trop longs. Préférence. Durée d'une section en seconde, habituée. Ok. Je vais mettre, je pense que 400 caractères, vous en aurez assez. Voilà. Voilà, c'est modifié. Dites-moi que vous soyez pas embêté. Ouais, ouais, mais lui, le bot, tu sais, il fait pas la différence. Bon client, pas bon client. C'est un bot. C'est con, un bot. Ok, on est à 25 000 pieds, on va aller sur notre page cruise, et on a notre top of descent dans 76 nautiques, donc ça va aller, 76 nautiques, c'est bien, on a encore un peu de temps. Mon frère Ludovic a vécu de nombreuses années au Venezuela. The center number 2000 Lima. 4,500 climbing, 10, 10,000 direct to Coney.
On va mettre ici à l'altimètre, on va commencer, on va mettre 1700 pieds. Et on va le valider, comme ça on est en vertical nav et au top of descent, notre avion descendra. C'est parti, on aligne également notre HDG. We'll do a dark selector, climbing team for level 340, correction, maybe just Angel. That's correct. Et notre top off descente, voilà, on va l'afficher là. Il est là. Ah mon frère JB00735, bonsoir à toi. Je parlais justement de toi. Je disais, on a décollé de Caracas. Et je disais que tu avais vécu de longues années là-bas. Stream 76, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut les amis, les nouveaux arrivants, ça me fera plaisir. Alors, je vais faire quelque chose avant la descente. Je vais aller sur l'aigle ici et je vais modifier les vitesses parce que voilà, je les modifie, je les trouve trop rapides. Donc, 10 000 pieds sur Mune, on va mettre 250 nœuds. Voilà. Ici, on va mettre 220 nœuds. Et FF06, on va mettre 200 nœuds. Voilà, et on va faire exécuter. Parce que sinon, tout va se passer très très vite sur l'approche. Et comme je suis seul à piloter à l'avion et à lire le chat, je préfère prévoir. Alors, ici, là, c'est 437 pieds pour le minimum. American 2417, after Cessna, descend via the star to 10,000 clear for the ILS, solo runway 23, left approach. Et donc on a mis 430, on est bon. On va descendre dans 27 nautiques miles, donc on est bientôt sur notre descente. En l'espace de 10 jours, oh waouh, 13 décollages, atterrissages, c'est chaud. Pologne-Belgique, oh ben c'est cool, merci à toi Christophe. Donc n'oubliez pas, semaine prochaine, il risque d'y avoir 3-4 lives avec le Toulis A320 Neo, car c'est l'anniversaire du 320 Neo, de la sortie du 320 Neo de Toulis, et il vous offre deux avions par stream, et c'est des avions quand même d'une bonne qualité et qui valent
80 de large, je crois. Donc c'est des beaux cadeaux que vous allez avoir. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la revue sur le casque VR dans les commentaires sur la communauté sur YouTube. Vous avez l'onglet communauté. Sur Facebook, sur ma page Facebook, je vous ai posé la question et également sur Discord. Voilà, que je puisse faire un retour pour cette revue du casque VR. Donc ça sera un gros travail, puisque c'est un travail qui me prendra une semaine de travail environ, vu ce que je veux faire. Puisque je veux vous faire un déballage complet, je veux vous montrer comment l'utiliser, comment configurer le logiciel, et puis vous faire un test sous X-Plane 12, sous MSFS 2020, et puis sous DCS aussi, c'est rare que je vole sous DCS. Mais là, j'ai bien envie de tester DCS avec la VR. Ah, mais notre ami Christophe nous fait de super vols, il me book des super vols. C'est le booking, c'est le booker officiel de la chaîne. On va pas tarder à descendre, vous allez voir les moteurs qui vont ralentir encore un peu plus. Center, good morning, Falcon 114, Bravo Delta 6300 for 10,000, GLADA. Je me disais, l'avion ne descend pas, mais non, on n'est pas encore sur le top of descente. Ça y est, l'avion descend. Avec la très belle livrée Rutaka Airline. J'adore la livrée, on dirait qu'elle sourit, ça me fait un peu penser au Beluga. Et là, dans le cockpit, d'un coup, c'est très silencieux. Alors ici, vous voyez cette petite bille, il faut qu'elle soit au centre, c'est-à-dire qu'il faut ralentir l'avion. Donc là, ça veut dire qu'on va trop haut quand c'est vers le haut et c'est trop bas. Bon, on va pas assez vite, donc on va armer les speed brakes. On va ralentir, on va ramener cette bille au centre. C'est bien parce que c'est un indicateur visuel qui est facile à lire. Ici, vous avez votre vertical dev. Donc vous le retrouvez ici également. Alors là, je vais pas trop faire de vue extérieure pendant la descente. Je vais plutôt gérer mon avion, les amis. Hein. On va réarmer les speed brakes. Je vais préparer également les auto brakes. Je vais les mettre sur un médium. Minimum plutôt. Vous voyez, c'est un indicateur visuel qui est bien pour la vitesse. Parce que ça vous permet de savoir de suite si vous êtes trop rapide ou pas. Donc on a du vent. On ira faire nos perfs tout à l'heure. On va rajouter une petite correction de vitesse de 5 nœuds, vu que l'on a 10 nœuds devant. On va rafraîchir la page. Ouais, on a 10 nœuds devant, donc on rajoutera 5 nœuds sur les vitesses d'atterrissage.
Ah ouais, je sais que Christophe Deligne, de toute façon, il nous dit c'est la vraie compagnie pour ce vol Rukata. Je sais que de toute façon, tu prends toujours des vraies compagnies aériennes. Donc c'est ça qui est bien. Donc là, on est un peu rapide. On va ralentir l'avion. Ah, là, les moteurs vont se remettre à pousser, donc on arrête de ralentir l'avion, sinon vous avez une poussée moteur inutile. Air 1547, after Cessna, descend via the start to 10,000 and you're clear for the ILS Zulu runway 23, left of this. Alright, Nestor's just cleared via the start on the 10,000, main clear for the ILS 23, left Zulu, and 1547. J'adore le bourdonnement des moteurs au ralenti. Air Canada 995, fly direct to Cessna, descend via the star to 10,000. Direct to Cessna, descend via star to 10,000, Air Canada 995. United 1547, fly direct to Cessna and descend to cross Cessna at 12,000. Fly direct to Cessna and cross Cessna at 12,000, yeah, 154. J'adore aussi le son des speed brakes. Donc là on est à 23 nautiques on est à 23 nautiques du VOR de Moon de Mathurin. Donc je vous dis, on va être sur la radiale 299, on va tourner, on va faire ça. Et après on va se réaligner. Bon, on va pas être vraiment aligné parce que la piste, elle est au cap 60 et on va être au cap 73 par rapport au VOR. On va aider l'avion à ralentir. On va arriver à nos 10 000 pieds. Et les vibrations dans le cockpit, c'est super bien fait.
carry up to 1,000, this is 1,400 feet, speed 210 on syndicate. 110 down to 1,400, United. American 2417, radar service terminated, contact tower 118 at Mount Hunter. 1855, American 2417, thanks. Les lumières de landing, les belts et les non-smoking sont en auto, donc c'est le personnel en cabine qui s'en occupe, j'ai pas le géré. Ça fait combien de minutes qu'on vole? 40 minutes, c'est bien ça. On avait dit que c'était un vol à peu près d'une cinquantaine de minutes. On est dans les temps. On va aller dans le menu, les perfs d'approche. On va mettre une correction devant de 5 nœuds. Donc, notre VRF sera de 136 nœuds, puisqu'on va atterrir avec 40 degrés de volée. On va ralentir l'avion. Clear flight 109, contact center 126.45. Et 7000 pieds, donc on a dit que le QNH il est à 1010. Dommage qu'il y ait des nuages au sol, mais bon. C'est les orthophotos. One OCS departure United 1097 is through 6500 for flight level 180 on the Nanjo 3 uniform. United 1097, good morning, Nanjo 3 uniform, climb to 18,000 feet, QNH 2997. Climb to 18,029.97 for United 1097. On va bientôt atterrir les amis, ça va aller vite.
Hello, good morning, Alaska 283, passing 10,800 for 1-8000. Alaska 283, buenos dias, continue climb to 1-8000. Send you to 1-8000, Alaska 283. Westchester 599, good afternoon, climb unrestricted to flight level 340. Climb unrestricted, flight level 340, Westchester 2599. JetBlue 38, JetBlue 38 with you, 14-6, climbing flight level 180. JetBlue 38, flying to flight level 340. Alpha Naval Flight Grid to Bravo Tango Oscar. And climb to 340. Je vais commencer à sortir un cran de slat. Et on va passer en mode Vorlock. 24-1, JetBlue 38, thank you. Reduce speed 200 knots. 200 knots, Delta 573. And Delta 573, contact 1975. 1975, Delta 573, good day. Bye. Et je vais passer en speed select pour réduire ma vitesse. On est à combien en nautique? À 8,5 nautiques. Degrés de volée et on a dit que notre vitesse d'approche c'était 136. La piste est par là-bas. On est à 6,3 nautiques. Notre piste, elle doit être là, elle est là. Ok, je vais sortir. Je vais mettre 137 en vitesse. Landing gear. Bah oui, forcément. Landing gear. Landing gear. American 546, maintain 200 knots under Mavic. After Mavic, comply with the approach. Contact 1975. 1975 after Mavic. On va armer les speed brakes. Autopilot. Ou l'autopilote et l'autotrottle. Ce sont des armées, ces voyous. Ah, j'ai pas assez de volée. Et on se met en flaps full. Thank you.
547, contact approach control 121.23. 500. Minimums. Continue. 400. Contact, reverse. Allez, on remonte les volets. Merci pour vos commentaires. Merci Eosen 355. Merci Nicolas Biabo. Je vous avouerai que j'ai dû le faire une bonne dizaine de fois ce vol pour m'entraîner dessus, pour pas rater l'approche et tout, parce que c'est pas évident. Vous avez vu, il n'y a aucun équipement sur ces aéroports et pourtant hein, c'est un aéroport international. Mais c'est des aéroports super sympas qui apprennent en fait à bien maîtriser la bête. Parce que vous avez vu, à un moment je pouvais plus parler parce que tout était très très rapide. On va désarmer, on va mettre sur off. On va couper le radar, on n'en a plus besoin. On va juste laisser le TICAS. Et monsieur Arnaud, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Allez, on va remonter la piste. On va aller se parquer. En attendant, on va en profiter. On va démarrer la PU. Vous avez vu, il est sympa cet avion, franchement il est sympa. Si vous aimez les avions un peu challenge, par contre j'ai pas compris pourquoi le FMC s'était éteint. Est-ce que j'ai des alarmes là? APU gen off. GPU wall pression low. Ok. Ah bah il s'est rallumé, c'était le temps que l'APU s'allume. Ah, il y a Jamefly qui dit j'ai hâte de retrouver un vol avec un avion de ce siècle. Mais franchement, c'est quand même gratifiant ces avions. Quand tu commences à les maîtriser un peu, tu te régales quoi. C'est tellement bon. On va essayer de faire un replay, voir l'atterrissage si j'ai pas trop tapé. Alors là, il me donne un landing rate de 266 pieds minutes, 130 nœuds et 1,4G. Ce qui est un peu beaucoup, mais bon. C'est. Voilà quoi. J'ai pas voulu trop arrondir non plus. Allez, on va se parquer là. Et on va essayer de faire un replay. Bienvenue à l'aéroport du général José Monagas. Allez, on va faire un petit replay.
on va voir si ça fonctionne bien. Donc quoi, ouais, il me dit landing rate 266 pieds minute, 130 nœuds à l'arrivée et 1,4 G. Voilà, allez, petit replay. Vol vu, point de vue extérieur, non, c'est vol mode replay, oui, non. Allez, j'espère que ça va pas planter, les amis, hein, parce que vous savez que ça plante souvent quand je suis en live, les replays. Allez. Bah voilà. Soirée terminée. Je sais pas pourquoi, mais les replays, dès que je suis en live, ils plantent. Alors que, je vais être honnête avec vous, quand je vole, ça plante pas. Alors que j'ai la même configuration, voire moins de choses sur mon PC de gaming. Pourquoi ? Parce que Discord est sur le PC de stream, le logiciel de stream est sur le PC de stream, les fenêtres... Tout en fait, là j'ai que le game, je sais pas pourquoi ça plante. Bon, bah écoutez, bah voilà, hein, là c'est en cours de plantage, je pense pas que ce soit récupérable. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce live. Merci à tous et toutes d'avoir été là. N'oubliez pas, semaine prochaine, à partir de samedi, vous allez pouvoir gagner. Attendez, je vérifie la date pour être sûr. Oui, samedi, on sera le 16. Donc à partir du 16, vous allez pouvoir gagner deux avions A320 Neo de la maison Toulis sur chaque live. Donc je vais faire plusieurs lives dans la semaine, forcément, c'est l'anniversaire Toulis, qui est un partenaire de la chaîne. Et puis bien sûr, avant de quitter ce live, je pense que vous l'avez tous fait, hein, puisque vous êtes 24, il y a 32 j'aime, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et bien sûr à cliquer sur la cloche des notifications plutôt pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Et puis si vous voulez me suivre, vous pouvez me rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne, sur Facebook, sur Insta et sur la chaîne Twitch, hein, si vous préférez suivre mes lives sur Twitch, c'est comme vous voulez, je fais du multi-streaming, donc faites-vous plaisir. Et merci à tous et toutes d'avoir suivi, vraiment vous me faites super plaisir. Et voilà, j'espère que l'atterrissage vous aura plu, que l'approche vous aura plu. C'était un peu technique et ça s'est super bien passé. Je suis content parce que je m'étais bien entraîné, hein, forcément. C'était un live que je devais faire samedi. Et depuis samedi, j'ai eu le temps de faire quelques vols. C'est le seul vol de la semaine que j'ai fait parce que, voilà, je voulais vraiment pas le foirer. Je suis tellement content d'être avec vous. Bon, les amis, simmeurs et pilotes, furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous, de vos proches, des personnes que vous aimez. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye et fly safe. Salut les amis.